Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue Final Fantasy VII, ça fait quelques mois que je ne l'ai pas enregistré. Voilà. On en était à cette petite île à gauche là, qu'on ne connaît pas encore très bien. Alors, Claude, Nanaki, c'est comme ça. En fait, toute cette vidéo sera une quête annexe, donc c'est pas du tout obligatoire, hein. Même si bon, forcément, si vous voyez une île, vous allez aller dessus, donc vous allez la faire sans le vouloir, la quête. Donc voilà, la quête tournera autour de Yuffie, vous allez voir ça tout de suite. Ouais, c'est peut-être pas très bien traduit, enfin, c'est assez difficile à dire comme ça en un mot. Je pense qu'elle voulait dire que c'est pas ça qu'elle préparait, elle s'attendait pas à ça, mais elle préparait un truc quand même. Là, vous allez voir, petite surprise. On n'a plus de matériel. Je conseille de prendre Iris ici, parce que sa limite de soins va beaucoup servir. Et Rouge 13 aussi, il est bien parce que normalement vous avez l'arme qu'il a eu, l'arme de son père là. Et celui qui fait le plus de dégâts normalement à ce stade du jeu avec son arme. Bon, à moins que voilà, à moins que vous ayez boosté un perso comme un porc, normalement celui qui fait le plus mal avec ses attaques. Petite polissonne. Voilà. Donc là, petit conseil. Mettez tout vos persos devant. Sauf bien sûr si vous avez des armes à distance. Parce que voilà, moi je l'ai mis à derrière lui parce qu'il avait un truc exprès pour. Voilà, et puis mettez vos armes les plus puissantes, hein, bien sûr. Et là, si vous voulez, on en a rien à foutre de. Des emplacements, des orifices, donc faut juste mettre les trucs avec les meilleures stats. En fait. Voilà. Parce que de toute façon, vu qu'on n'a pas de matériel. Avec ça, tiens. Avec ça. Ok. Voilà, et puis je vous conseille Iris pour ses soins, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a comme limite? Lui il a niveau 2, ouais. Niveau 1 toujours. C'est pas grave, niveau 1 c'est bien. Et puis lui, Rouge 13 il a frénésie, donc c'est pas mal. Alors ça s'appelle pas frénésie dans la version, enfin la traduction officielle. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est la deuxième limite de Rouge 13 en fait, ce qu'elle fait. C'est que. Oula. Il essaie trop de nous faire croire que le pont va s'écrouler. Ah, donc là, ce qu'il faut faire, faut tourner à gauche, il me semble. Ouais. Faut passer sous le pont qu'on vient de traverser. Alors faites super gaffe à ces ennemis, c'est des vrais saloperies.
Je vous conseille de fuir les combats. Même vu que je suis con, moi je vais... Je vais pas fuir. En fait, ça dépend si vous êtes con. Si vous êtes con, fuyez le combat. Non, c'est l'inverse. Mais oui, c'est parce que je suis con, donc du coup... je me trompe. Ouais, faites gaffe à ces animaux. Bon, ils font assez mal. Des fois, ils font des attaques de foule, il me semble. Je crois que c'est eux qui le font. Ils se confondent peut-être avec celui du Cosmo Canyon. Je sais même pas si c'est pas les mêmes ennemis, d'ailleurs. Enfin, bref. Faites gaffe à vos points de vue. Là, je suis exprès de... Je suis exprès de pas me soigner, puisqu'il y a la limite d'Aeris qui est bientôt prête. On fera un soin gratuit. Voilà, le chemin est pas trop compliqué, faut juste passer sous le deuxième pont. Et après, bah, il suffit de continuer tout droit. Et là, on va arriver à une ville. La ville de Yuffie. Voilà, vous le voyez au loin. C'est costaud. Super. Voilà, c'est pour ça que je m'étais pas soigné. Je trouve ça limite abusé, sa limite en fait. Parce que soigner tous les persos comme ça gratuitement. En plus, c'est en se prenant des coups qu'elle a le truc pour se soigner donc. De toute façon, les limites d'Aeris, c'est les meilleures du jeu. Particulièrement cette dernière qui est complètement. C'est n'importe quoi. La dernière limite d'Aeris, ça rend tout, je crois. Ça, tous les points de vie, tous les points de magie, ça recycle les persos. Et il me semble qu'en plus, ça rend les persos invincibles pendant un certain temps. Le truc. Complètement abusé. Quoi. Alors là, faut savoir qu'il y a des plages où on peut rencontrer des ennemis assez sympas pour avoir certains talents de l'ennemi. On verra ça plus tard vu qu'on a plus de matériel de toute façon. Voilà, donc on voit Yuffie là à gauche. En fait, là, ça va être une espèce de... Enfin, on va pas appeler ça un mini-jeu, mais c'est un peu ça. On va faire poursuivre Yuffie. Voilà, là, vous voyez. Le Turtle Paradise, c'est une quête que je faisais là de temps en temps, je pense que vous vous rappelez, il y a des affiches à trouver un peu partout dans les villes du jeu. Voilà, on va rentrer dans le bar. Là, qui voilà. Pas Inspecteur Gadget. On se dit on est dans la merde sur les matériaux. Voilà, donc ils se battent pas parce qu'ils sont en vacances. C'est un peu du gros délire. Hein. Là, on n'a pas encore lu toutes les affiches du Turtle Paradise. Mais la sixième et dernière, elle est dans cette ville, en fait. Alors, déjà, on va aller à gauche. Tiens. Donc voilà, il y a un point de sauvegarde. Hein. Voilà, donc il y a deux parties à la ville, hein, ça c'est la deuxième partie. Tout au fond là vous voyez une espèce de tour, c'est la pagode. Enfin, une espèce de bâtiment religieux. On ira à la prochaine vidéo, parce que c'est une deuxième quête annexe. Voilà. On peut considérer que c'est la même. Mais... Voilà. Alors là, dans cette maison... déjà on peut faire ça.
Ouais, je ferai deux vidéos. Hein. Je ferai une vidéo pour bah, la quête de la ville, là, et puis une autre pour la quête de la tour. Voilà. Normalement, si je me trompe pas, il y a un passage secret quelque part. C'est que ce truc. Où ils sont? Ah oui, là. Voilà. Là, il y a un passage secret. Bon, il est pas très secret, hein. Disons qu'il est secret, mais qu'on le voit bien, quoi. Voilà, on trouve l'épingle ornée, donc c'est une arme de rouge 13. Qui est nul à chier, voilà. En fait, elle est bien, parce que normalement, à ce niveau-là du jeu, enfin, on va dire que le peine de Séraphin, sans compter le peine de Séraphin, elle est mieux que les autres. Hein. Mais bon, vu qu'elle a aucun orifice, elle sert un peu à rien, quoi. Voilà. Et normalement, il y a un autre passage. Je sais plus où c'est exactement. Ah oui, là. Ouh, là, il y a un deuxième coffre. Shuriken Fuma. Bah, alors, il me semble que ça, c'est une arme pour Yuffie. Hein, voilà, donc maintenant qu'on a récupéré tout ce qu'il y avait de ce côté, on va aller de l'autre côté. Il faudra aller au magasin de matériel de bleu. Je sais plus où il est. Ouais, voilà. Là, vous avez un coffre. On obtient la matéria absorption MP. Et Yuffie nous la vole, cette connasse. De... Voilà. Rien de très. Je vais prendre une tente quand même. C'est bientôt la Gaprad, donc je prends une tente. Non, je déconne. Alors, je dis de la merde. Voilà, donc je crois, si je me souviens bien de l'ordre, qu'après il faut aller là. En fait, faut trop Yuffie un peu partout. Ouais, c'est ça. Celle de tout à l'heure. Donc voilà, donc on sait qu'elle est là. Et hop. On dirait mon chat quand il s'enfuit, quand il a fait une connerie. Donc voilà. Ah oui, et après. Faut aller. Ici, hein, on voit bien le pot bouger. Bon, ça a l'air simple, hein, comme ça, quand on connaît. Mais je vous jure que quand on connaît pas, c'est super chiant. Hein. Moi, j'ai. Je crois que. Non, voilà, là, faut appuyer sur la touche d'action pour frapper dans le pot. Et vu qu'on a bloqué toutes les issues, elle s'est chopée. Je crois que ouais, la première fois que j'ai joué, c'est la première fois que j'ai regardé une solution sur FF7, c'est parce que j'arrivais pas à retrouver Yuffie. Donc on est un peu bloqué comme des cons parce que on pourrait se barrer d'ici, mais sans matériel, ça pue pas trop. Quoi. On sait pas trop de qui parle. C'est trop marrant. Un petit soldat qui se défoule sur eux. Ouais, je regarde pourquoi ça s'appelle des Turcs, enfin d'où l'origine des noms.
Que là, on dirait vraiment qu'il parle de Turc, genre de Turquie, quoi. Bon, un café turc. Alors, Luffy. Alors, faut savoir un truc sur le sur Luffy. Enfin, sur pas sur Luffy, mais sur le vol de matériel de Luffy. Elle vole maximum 48 matérias. C'est-à-dire que si vous avez plus de 48 matérias, bah, vous en restera. Alors, vous pouvez chercher sur Internet. Il y a un ordre de priorité des vols des matérias. Okay. Le mec sans cœur, quoi. Voilà. Donc là, on nous dit le levier de gauche. Non, c'est bizarre, faut se foutre comme ça pour que ça défend. Donc là, on peut soit choisir de l'écouter, soit non. Non, en fait ça change, hein. On se fait enfermer quand même. Vous êtes vraiment cloche. Ça c'est un indice, en fait. Voilà. Et ça c'est la fiche numéro 6. Donc en gros c'est la dernière affiche du Turtle Paradise. Donc là normalement on les a tous vus. C'est quoi ça déjà? Ah oui. On peut parler au chat des ennemis, yaou. Du coup, je sais pas si je suis rentré là-dedans. C'est l'auberge, hein? Alors, magasin d'armes. Voilà, bon, on peut rien acheter pour l'instant. Je crois que le signe au-dessus de la maison, il me semble que c'est le signe du feu, un truc comme ça. Le kanji du feu. Bon, je suis pas très bon en japonais. Hein. J'ai parlé au barman, maintenant que j'ai toutes les affiches. Je sais pas si ça marche maintenant. Ah! Voilà, il nous parle d'un dieu aquatique. Non, ça marche pas, pourtant j'ai bien les 6. J'en ai pas loupé une par exemple. Peut-être qu'on peut pas encore. Peut-être oublier une affiche. Il y en avait deux. Bon, il y en avait une à Medgar, celle-là je l'ai eue. Les autres je m'en rappelle plus. Je sais qu'il y en avait deux au Cosmo Canyon. J'aurais peut-être une au Cosmo Canyon comme un con. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Du coup, maintenant faut aller là. Et cette fois, on va aller dans la maison de gauche. Parce qu'on peut encore aller. Voilà, il nous dit, vous êtes vraiment cloche. Voilà, c'est parce que c'était un indice, il fallait sonner la cloche. Voilà, ça je parie que vous vous attendiez pas.
C'est un pédophile, ce mec. Ah oui, d'accord, il y a Elena aussi. Donc là, on a eu éclair fulgurant, ça va nous servir bientôt. Ah, donc c'est lui le mec qui pourchassait en fait. Hein. Voilà, donc combat sans matériel encore une fois. Ils sont pas très costauds. Hein. On va bien qu'ils déclenchent pas la limite de rouge 13 maintenant. C'est marrant ça. Ça annule le sommeil. Je croyais que les magies n'annulaient pas le sommeil. Mais... ça va être considéré comme une attaque physique quand même. Alors. Ou alors c'est peut-être si tu mets sommeil sur un mec qui a déjà sommeil, ça l'enlève. Donc là, il suffit de brûler la touche d'attaque. Là, il va tout se faire vide. Voilà. Un peu long. Peut-être augmenter la vitesse des combats parce que je trouve ça super lent. Ah, pour ensanglanter. Je crois qu'on est à la limite niveau 2 de Nanaki. Ah, c'est pas mal ça. Mais bon, je pense que je vais garder. Je vais garder ça. Prenez-y, c'est trop bien. On va donc voilà, on va faire comme ça. Une test de combat, je... ouais, ah, mais attendez, je l'ai ralenti là, je vais pas accélérer. Ouais, c'est bien ce que je veux dire. Ok, bon, on se casse. Donc là, on peut se reposer, hein, on va le faire. Parce qu'on va avoir... quelques combats après. Voilà, donc Don Corneo a capturé Yuffie. Il va falloir la récupérer. Donc là, faut suivre les Turcs. Merde, parce que je suis... Bon bah c'est le seul endroit où on n'est pas allé hein. C'est la montagne là qu'on voit. Bon, je vous conseille de sauvegarder parce qu'il y a un boss. Et moi je vais pas le faire parce que je suis en pleine vidéo et que, de toute façon si je crève, j'aurai plus qu'à refaire la vidéo. Donc, enfin, donc c'est le monde d'Ashao.
faut d'abord suivre Renault. Rude, pardon, Renault. Je vais m'enfuir, je pense. M'enfuir en attaquant. Comme ça, si je les tue avant de m'enfuir, tant mieux. Puis sinon, bah voilà, c'est plus. Rentre dans cette putain de grotte. Pas une grotte, hein. Non. Ah, je trouve c'était une grotte. Ah, mais non, 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 fallait aller en haut, je suis con. Voilà, et là, passer vers la tête. J'arrive pas trop à contrôler. En fait, les contrôles de F7 sont un peu bizarres, donc faire droite pour aller de tout droit ou des conneries comme ça. On va pas trop perdre de temps. Ah, voilà, c'est ça. Je savais qu'il y avait une grotte vers rue, mais. Un lance-dragon, c'est une arme pour Sid. Et le feu là pour l'instant on peut pas. Il faudra un objet plus tard pour enlever le feu. Voilà, et normalement il n'y a plus qu'à descendre. Voilà, le reste de la montagne on le fera plus tard hein, quand on aura le fameux objet. N'importe quoi, c'est mec. Là, c'est marrant, puis la nouvelle traduction il dit Fofi à chaque fois. Ah, ça c'était le monstre des égouts en fait. Rabzu. Il s'appelle Raps dans la traduction officielle française. Voilà, alors là normalement on devrait avoir éclair fulgurant. Je sais pas si vous vous rappelez. Oh sa mère la pute. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais? Ça commence bien. Prenez-y. On va faire une potion X sur sur elle. Voilà, je cherchais. Putain, ah là. Ouais, éclair plus grand, c'est l'objet qu'on a eu là dans le coffre tout à l'heure. Ouais, ça lui fait pas grand chose finalement. Alors, heureusement qu'on a frénésie, hein. De rouge 13, c'est pour ça que je vais le garder. Attention, ça, ça va faire mal. Beaucoup plus que de phoenix. Hein. Ah. C'est un combat assez chiant. Mais c'est juste parce qu'on a pas de matériel en fait. Putain, mais c'est un truc de ouf.
Non, j'aurais pas dû augmenter la vitesse des combats. Je suis en train d'en chier là juste à cause de ça. Oh putain. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Pas trop d'infos sur le boss, hein. Je sais pas combien il a de dégâts. Voilà. Mais il a de vie, je voulais dire. Voilà, donc faut juste gérer les objets. Hein. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'on gagne rien. Enfin, on gagne pas d'AP pour nos matériaux vu qu'on en a pas. Je dirais ça. Le gros lâche. Là, je me demande ce que ça fait son mec des mecs. Je crois qu'il a jamais autant parlé. Ce truc de gros batteur, c'était même pas dans la réponse. Bon, je sais pas s'il est mort, mais bon. On s'en fout un peu en fait. Tant qu'il y a de l'humour, si quelqu'un crève, c'est pas grave, quoi. Voilà, voilà. Donc j'arrive toujours pas à faire des vidéos de moins de 30 minutes, hein, c'est complètement bidé. Peut-être que la prochaine fera moins de 30 minutes. En fait là, nous on remet les matériaux. Mais c'est n'importe quoi, hein. Ouais, ouais, voilà. Juste une petite info. J'enregistre pas avec les mêmes logiciels que d'habitude. Donc faudra me dire si vous voyez une différence. Si vous en voyez pas, tant mieux. Si c'est mieux, tant mieux aussi. Par contre, si c'est vraiment moins bien, faut me le dire.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de problème de décalage. Parce que là, ça enregistre mon micro, le son du jeu et la vidéo en même temps. C'est beaucoup plus pratique pour moi, donc si ça vous va. Voilà. Et puis là, elle nous rend la matéria qu'on avait trouvée dans la ville. Voilà, voilà, donc on va sauvegarder là. Et puis ben, je vais vous laisser ici et je vais corriger le bordel qu'elle nous a foutu là, comme vous voyez, elle a fait des jolis assemblages de couleurs. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, puis si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire pourquoi vous avez pas aimé. Je vais bien m'améliorer. Alors, donc voilà. On va arrêter là, et puis à la prochaine du coup pour la pagode, hein, la grande tour là, qui est une quête annexe assez dure, on va dire. C'est que des combats, donc ça devrait pas être très très long. Mais c'est des combats assez compliqués. À ce point là du jeu. On peut le faire à n'importe quand dans le jeu, même cette quête là, on pouvait la faire avant, mais... après je veux dire. On pouvait pas la faire avant, non. Mais bon, c'est mieux de la faire au début, quoi. Pour les objets. Voilà, voilà, donc à la prochaine, profitez bien de votre soirée ou de votre journée, et puis à plus.